Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur LAC76. Bon, j'espère que vous allez tous très bien les copains. Allez, vidéo IFC 25. Alors, pas d'SBC, pas de pack opening, pas de solution SBC sur un problème du jeu. Avant d'aller plus loin sur le problème du jeu que j'ai, je compte sur vous les copains, c'est important parce que là ce qui se passe c'est inadmissible, très clairement. N'hésitez surtout pas à partager un maximum cette vidéo, les copains. C'est très très important. À savoir que j'ai pas les réseaux sociaux, donc je pourrais pas le faire avec les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi. Donc, je compte sur vous pour partager un maximum la vidéo, à me laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, et à me la partager, et à vous abonner si vous êtes nouveau. Je rappelle qu'on essaye d'aller chercher les 1000 abonnés. Alors, le titre de la vidéo, ça sera IFC 25, problème pour accéder au mode évolution et récupérer son évolution. Bon, je ne mettrai pas le titre à peu près comme ça, mais le problème que j'ai, voilà, j'ai fait des matchs en rush. Pour Yimisha, hein, qui était à 85, j'étais sur le niveau 2, j'ai fait mes 3 matchs de rush, j'en ai gagné 2. Et au moment de récupérer l'évolution, donc en allant dans les menus évolutifs, voilà, je le ferai pas parce que sinon après la vidéo va s'arrêter. Mais quand vous allez sur évolution, que vous avez fait ce qu'il fallait pour faire évoluer votre joueur, au moment de récupérer l'évolution, j'ai une page bleue qui s'affiche avec un code erreur, voilà. Le petit code erreur, moi, ça me met problème, bug accès, voilà, bug accès avec un CE-34-878-0, avec un problème qui vous dit qu'il y a eu un problème sur le jeu, voilà. Bon, de mon côté, j'ai quand même essayé d'aller voir un petit peu sur Internet, voir, j'ai vu qu'il y avait eu des personnes qui avaient eu le problème. Apparemment, il y en a que j'ai vu qu'il y avait une date qui était sortie au 21 octobre, donc c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai eu le problème que aujourd'hui, voilà. En plus, moi, j'ai quand même bien les nerfs parce que j'ai un concept d'équipe. J'ai pas le concept avec les events pour acheter les cartes sur le marché et m'arrêter à ça. Voilà. Le concept de ma chaîne, vous le savez très bien. Hein. LAPC, ça veut dire Liga Águila Player Colombia. Donc, championnat colombien, des joueurs colombiens avec des cartes Conmebol. Et c'était mon mode, en fait, qui me faisait vivre, en fait, cette hype que j'avais sur FC, en fait, depuis FC 24. Le mode évolution. Et à cause de ce problème-là, eh bah, tout est remis en cause. Incapable d'e-sport, ce que vous êtes, à créer un super mode. Et comme d'habitude, et je vais peser mes mots pour pas être signalé, parce que c'est pas ce que je veux, mais ces incapables d'e-sport ont trouvé le moyen de faire bugger le mode évolutif. Voilà. Alors, en plus, il y a des évolutions qui sont payantes, avec des crédits. On passe du temps sur un jeu, et au final, on fait ce qu'il faut pour récupérer une évolution. Moi, ça a marché pendant plus d'un mois et demi, et du jour au lendemain, sans raison apparente, eh ben, je peux plus récupérer mes évolutions que je fais sur le mode. Voilà. Bravo eSports, bande d'incapables que vous êtes, bande d'incompétents à créer des events, c'est bien, mais respectez les modes, respectez un peu la communauté, messieurs de eSports, c'est no game. On paye un jeu 80 ou 100 euros, peu importe le mode que vous payez. Au final, pourquoi? Pour même pas pouvoir faire évoluer ses joueurs. Et pourtant, moi, vous pouvez voir hein, sur mon équipe, hein, regardez, hein, j'en ai fait des évolutions sur les joueurs, hein, j'en ai fait. Hein. Surtout, il y a au moins 10 évolutions que j'ai fait, 12, 13, 14, 15, et encore, vous pouvez aller les revoir, hein, parce que toutes mes évolutions, je les mettais en short sur ma chaîne. Du jour au lendemain, être planté comme ça, à plus pouvoir récupérer mes évolutions, ça fout le seum, les gars, ça fout le démon. Je pèse mes mots. Hein. Là, ce soir, c'est la gueulante. C'est la non-acceptation de ce problème de jeu. Je ne sais même pas comment résoudre le problème. Voilà, il y en a qui disaient que c'était que non, que c'était un problème en fait avec le mode qu'on ne pouvait pas récupérer les évolutions et qu'on pouvait absolument rien y faire. Voilà, qu'il fallait attendre que eSports résoudre le problème. Voilà, on a eu des problèmes mis à jour sur le gameplay, maintenant on a des problèmes sur le mode évolutif. On parle même pas d'un problème avec le taux de probabilité de pack dans les packs en boutique ou des récompenses. On parle même pas d'un problème de gameplay. Là, à l'heure actuelle, on a un problème sur le mode évolutif. Alors il y en a qui me diront, ouais, mais la PC dans ce cas-là refait une autre équipe et fait pas de mode évolution. C'est pas le concept de la chaîne. Là, à l'heure actuelle des choses, ma chaîne est peut-être pas à l'arrêt, mais elle est. Pas sur la fin, mais aller à l'arrêt là, voilà, à cause d'eSports. Parce que je peux plus faire mes évolutions, ce qui me permettait de proposer du contenu. Alors, oui, je continuerai à sortir des DCE, des solutions SBC, mais mettez-vous un petit peu à ma place. Là, la hype, elle n'est pas là.
Voilà, là j'ai encore fait 2 matchs pour faire Mosquera, et au moment que je suis venu pour récupérer, j'ai même attendu 19h me disant, oh, c'est peut-être un bug et ça va peut-être se remettre un petit peu à la normale. Même pas, même pas. Tu vois? Là je suis dégoûté du jeu, très clairement. Là j'ai payé 80 €, je fais mes évolutions et je peux pas récupérer mes évolutions. Je passe du temps sur le jeu et on a ce bug. Voilà. Donc je vais pas faire plus loin pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc le titre de la vidéo, ça sera IFC 25. Problème. Évolution pour les récupérer. Voilà, je vais essayer de trouver un titre qui matche un petit peu. Je compte sur vous, les copains. Faites un maximum de partage pour cette vidéo. C'est scandaleux, c'est inadmissible de la part d'eSports qu'on puisse pas récupérer nos évolutions dans le mode Ultimate Team. Hein. Je pense un peu aussi à ceux qui mettent un peu des sous dans le jeu et ne le faites surtout pas pour faire des évolutions qui passent des heures à faire les évolutions et au final qui sont peut-être comme moi et qui peuvent pas récupérer leurs évolutions. Donc je compte sur vous pour liker cette vidéo, ça permettra qu'elle sera beaucoup plus vue et beaucoup plus référencée sur YouTube, à laisser le petit like qui me soutient énormément, à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne les copains. C'était Lac76. Bonsoir.